Tout ceci est la oui, maman Olive, vous payez les mal que vous avez fait. Hein? Vous avez pris le pouvoir le pouvoir du peuple et vous avez donné à Félix Tshisekedi. Là, vous payez, maman Olive, vous payez. Hein? Mais vous avez voté, vous avez la sécurité. Comment IDPS peut rentrer chez vous? Ah, vraiment, franchement, c'est triste, ça, IDPS. Félix, tu payeras. Hein? Tu payeras, Félix. Continue de faire ce que tu fais là, tu payeras. Nous allons résister parce que nous sommes dans notre pays. Et Félix Amoter Mabé, franchement. Hein? Nous sommes nés ici, au Congo. Nous avons grandi ici. Ah, mais c'est votre faute. Hein? Vous avez vendu les peuples, les pouvoirs des peuples. Vous payez aussi, hein, Maman Olive. Vous payez, hein. Ici, au Congo, c'était le pouvoir du peuple. Vous avez donné à Félix Tshisekedi. Maintenant, regarde la conséquence. Regarde maintenant la conséquence. Que le peuple souffre comme ça, vous pensez que Dieu va vous laisser tranquille, maman Olive? Non. Notre pays et notre population. Ah, mais non. Non. J'interpelle le président de la République actuel. J'interpelle. Qui t'a dit que Félix, c'est un président de l'État? L'ex-ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, qui, selon, entre guillemets, les informations reçues, était à la base de la destruction du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, juste et seulement pour chercher la voie de passage de ce camion et aller construire sur son chantier qui se trouve à quelques mètres d'ici. Vous voyez maintenant les résultats de ce que vous avez cherché? Vous êtes content? Ah, vous étiez au pouvoir aussi, maman Olive. Vous avez aussi souffrir le peuple. Hein? Là, vous payez. Hein? Pour demander à Dieu, mon Seigneur, et faire les vœux que mon Dieu, tous ceux qui veulent du mal à mon mari, à sa famille biologique, à ses enfants, sa famille politique, et de surcroît au peuple congolais, parce que le président Joseph a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui espèrent en lui, je vous demande, Seigneur, dans votre justice, de vous en occuper. Mais il faut demander aussi pardon, que votre mari aussi, Kabila, qui demande aussi pardon au peuple, parce qu'elle avait vendu le pouvoir du peuple. Il a vendu le pouvoir, il demande du pardon aussi en public. Comment Dieu va vous écouter, vous n'êtes pas encore demander pardon aussi pour. Vous ne pouvez jamais imaginer même porter une veste et avoir le respect qu'ils ont aujourd'hui. Je suis personnellement contrarié et choqué de voir que l'on envoie des missions entières, puisque ça c'est la deuxième fois que l'on vient attaquer la résidence pendant ma présence ici, et même quand nous sommes absents, parce que nous sommes libres de nos mouvements. La deuxième fois qu'on vient attaquer, je suis là pour soi-disant la mission de m'éliminer physiquement. Personne n'est éternel sur la terre de Dieu. Ça, c'est clair. Nous sommes tous locataires. Exact. Mais en attendant, ces gens, les cadiotistes qui sont en vous. Voilà.